Avec nous sur notre chaîne TV internationale, le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled Anani. Soyez toujours les bienvenus sur notre chaîne. Aujourd'hui, la troisième découverte à Saqqara à cette année 2020. Qu'est-ce que vous pouvez dire ou quel est le message que vous pouvez envoyer grâce à cette découverte? Comme vous le soulignez, c'est la troisième découverte annoncée à Saqqara en 2020. Pas à Saqqara, dans la zone appelée le Boubastéan. Nous avons découvert aujourd'hui une centaine de cercueils colorés, scellés depuis l'Antiquité, une quarantaine d'objets funéraires, de statuettes et de figurines de divinités. Le travail n'est pas fini, on va continuer. Je suis très fier de travailler avec cette génération de conservateurs et de restaurateurs et d'inspecteurs du Conseil suprême des Antiquités qui impressionne le monde entier régulièrement. Nous avons deux ou trois grandes découvertes par an. On va continuer pour travailler sérieusement pour dévoiler le secret et l'énigme de cette grande civilisation qui est la nôtre. Mission égyptienne archéologique qui s'occupe des fouilles et des recherches, pas seulement à Saqqara, mais dans toute l'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire, ça peut dire pour l'Égypte et pour le monde? Si vous permettez, je peux continuer. Qu'est-ce que ça veut dire l'ouverture de trois musées samedi 31 octobre en même temps dans trois gouvernorats, Kafr el-Chir, Sharm el-Cheikh et le Caire? Ça montre un intérêt sans précédent accordé à notre riche patrimoine, un soutien politique et du président de la République en personne qui suit nos travaux, nos chantiers, nos grands musées, nos musées de province. Toute l'aide financière est disponible pour préserver notre patrimoine égyptien. Restons à Saqqara.